action. Qu'est-ce que tu viens? Ben là, justement, je sors d'une conférence, je donne des conférences. Cabinette! C'est toi qui donnes les conférences? Ben oui, pourquoi tu demandes ça? Fermez les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait, ça? Ben c'est elle, c'est collé dans le vide, on était pas prêts. On idéalise souvent les gens, les relations. Annabelle, toi et moi, on est là pour s'aider. Bravo, Claudia! Avec toi, le voltage est infini. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Dans la réalité, c'est toujours un peu décevant. Comme un grand vide. De quoi tu parles, là? Quel grand vide, nous? On commence nos vies, tout va bien. On a tendance à exagérer les bons souvenirs puis à oublier les pas bons. On apprend à communiquer dans l'environnement qui nous entoure. Mais hey, je me rappelle pas pantoute. Et là, il y a un blocage et on revient en arrière. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider? Je sais pas par où commencer. T'es agressive. Je suis très bien, surtout depuis que je fais du yoga. Tu fais la même erreur. Je suis plus capable. Ça fait 7 ans qu'on vit ensemble pour ça. Là, j'espère que t'es consciente que je pourrais pogner une erreur. Et cette erreur-là devient un cercle vicieux. C'est le décalage entre le fantasme et la réalité. Toujours à pleine vitesse. Ça, c'est l'histoire de Pi de Yann Martel, hein? Guy, c'est quoi le film? Le film dans l'eau, c'est une histoire de petit? Histoire de Pi. Histoire de Pi. Je sais pas. Anyway.